Bonjour et bienvenue à notre série sur le bien-être des vétérans et de leurs familles de l'automne 2021. Je m'appelle Romain Sacrez, chef de la direction et directeur médical du Centre d'excellence sur la douleur chronique pour les vétérans canadiens. Avant de présenter nos conférenciers, je voudrais annoncer les 5 lauréates de notre initiative de renforcement des capacités à l'appui des recherches en maîtrise et doctorat. Félicitations à Sarah DeGrace de l'Université Dalhousie, Shana Deschênes de l'Université du Québec à Chicoutimi, Julia Kilty de l'Université du Nouveau-Brunswick, Hélène Leceller à l'Université d'Ottawa et Meredith Seeger de l'Université du Manitoba. Je voudrais également reconnaître notre directeur des recherches, le Dr Jason Bassett, dont la recommandation rapide sur l'utilisation du cannabis pour la douleur chronique a récemment paru dans la Revue de la santé des militaires, des vétérans et de leurs familles. Cet article est à présent affiché sur notre site web si vous souhaitez le lire. Je saisis l'occasion de remercier nos présentateurs aujourd'hui, le Dr Jim Thompson, de l'Institut canadien de recherche sur la santé des militaires et des vétérans, et Tom Hoppy, président du Conseil consultatif pour les vétérans du Centre d'excellence, qui vont évoquer l'identité des vétérans. Après la première présentation, Tom Carter, la docteure Elizabeth Saxton et Erin Weldon de CBI Health vont intervenir. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. À présent, je donne la parole à votre animateur, le lieutenant général en retraite, Michel Maisonneuve. Hello. Au nom du Centre d'excellence sur la douleur chronique pour les vétérans canadiens, je vous souhaite la bienvenue à notre deuxième webinaire sur le bien-être des vétérans et des familles. Encore une fois, il existe deux canaux, un canal anglais et un canal français. Nous proposons une interprétation simultanée et toute la documentation a été traduite. Les présentations et les diapositives doivent être visionnées en mode écran. Both presentations will be in English with simultaneous interpretation and French slides. Je suis honoré de contribuer à l'animation de ce webinaire. Le Centre d'excellence sur la douleur chronique fait un travail extraordinaire qui a déjà aidé beaucoup de nos vétérans qui souffrent de douleurs chroniques ainsi que leurs familles. La douleur chronique est une constante dans la vie de beaucoup de nos marins, soldats et aviateurs actifs et dans beaucoup de cas, la douleur les accompagne pendant leur retraite. Aujourd'hui, nous allons évoquer la question de l'identité, son effet sur la vue que se font les vétérans d'eux-mêmes, surtout pendant leur transition à la vie civile. Les questions d'identité ont un impact sur la douleur chronique que beaucoup de nos vétérans Nous allons avoir deux présentations et comme d'habitude, nous allons répondre aux questions après chaque présentation. Je vais présenter les auteurs du premier exposé, le Dr Jim Thompson et un vétéran, Tom Hoppy. Le Dr Thompson est un consultant médical et chercheur à l'Institut canadien de recherche sur la santé des vétérans. Il est également professeur adjoint à l'Université Queen's et l'Université Dalhousie. Le Dr Thompson a servi dans la réserve des forces armées canadiennes, dans l'infanterie. Il a pratiqué la médecine familiale et médecine d'urgence en Albertin de l'Île-du-Prince-Édouard en tant que conseiller médical de recherche à affaires des anciens combattants Canada de 2005 à 2019. Il a animé la conceptualisation du cadre appelé les 7 domaines du bien-être des vétérans. Le Dr Thompson est rédacteur adjoint de la Revue canadienne de la santé des militaires et des vétérans et de leurs familles. Il collabore au niveau international aux recherches sur le bien-être multidimensionnel des vétérans et de leurs familles. Il a publié plus de 100 articles scientifiques. Tom Hoppy
est un vétéran, président du conseil consultatif pour les vétérans du Centre d'excellence sur la douleur chronique. Il est entré dans les forces canadiennes en 1982. Après 20 ans de carrière militaire, il travaillait dans la santé et la sécurité publique. En 1994, en Bosnie, Tom a secouru 3 enfants qui étaient sous le feu de tireurs d'élite. Il a commandé avec succès sa patrouille pendant plusieurs escarmouches avec les forces opposantes. Pour reconnaître son leadership et sa bravoure au feu, le gouverneur général a conféré à Tom la Croix du service méritoire et la médaille de la bravoure. Après sa carrière militaire, Tom a réalisé une formation en administration des affaires en ressources humaines ainsi qu'une maîtrise SR en leadership et en formation portant sur le leadership organisationnel et les besoins d'encadrement des vétérans en transition depuis 1998. Il participe activement au dossier des vétérans d'aujourd'hui. Leur présentation est intitulée « L'identité vétéran, une clé de la réussite des soins de la douleur chronique ». Comme vous le voyez, le changement d'identité a un impact sur les personnes qui quittent les forces militaires, surtout ceux qui souffrent de douleurs chroniques. Bonjour tout le monde, je m'appelle Tom Hoppy. Aujourd'hui, nous allons parler de l'identité des vétérans, la clé du succès dans un centre de douleurs chroniques. Les participants vont comprendre comment les identités personnelles et les identités sociales des vétérans se forment et les raisons de leur importance. Et nous allons également parler des stratégies qui peuvent aider les vétérans dans une clinique de douleur. Je donne la parole au Dr. Jim Thompson et ensuite je vais suivre sa présentation. Merci Tom. Pendant notre présentation, songez à ce cas fictif, un vétéran qui se rend dans votre clinique. 35 ans, douleur chronique acquise pendant le service, libéré involontairement il y a 2 ans pour raison médicale, a fini par demander l'aide d'un médecin de famille, aiguillé vers votre clinique de gestion de la douleur par un gestionnaire de cas d'ACC. Il est évident qu'il se sent comme un poisson hors de l'eau. Bon, il y a beaucoup de variantes sur ce thème, mais songez à un cas comme celui-là pendant que nous vous parlons. Beaucoup de gens trouve cette diapositive fort utile pour réfléchir au déroulement de ce processus. Un enfant acquiert un sentiment d'identité sociale, sa famille, l'enfant s'identifie avec sa mère, sa famille immédiate. Avec l'âge, il acquiert un sentiment d'identité personnelle. Qui suis-je et comment est-ce que je diffère des autres? C'est l'identité personnelle qui diffère de l'identité sociale. Dans l'adolescence, ça devient très important. L'adolescent expérimente avec diverses identités. Il peut entrer dans les forces militaires avant d'avoir une identité adulte entièrement formée, ou bien, dans certains cas, les cadets qui entrent dans les réserves dans l'adolescence. Donc leur identité personnelle se développe en même temps que leur identité militaire. Donc, après l'enrôlement, on commence donc à constater une identification avec leur unité. Ils adoptent les normes, les valeurs de leur formation. Ils commencent à faire passer l'équipe avant les besoins propres. Les taux plus élevés de vaccination au sein des forces militaires témoignent de cette capacité à faire abstraction de soi. Donc pendant leur service, cette identité militaire devient prédominante à cause de l'immersion dans la culture. Même les réservistes s'immergent dans leur identité militaire. Ils s'identifient fortement avec les cultures militaires, différentes sous-cultures, navires, garnisons. Ces sous-cultures affectent la manière dont ils pensent, l'identité qu'ils commencent à acquérir. Mais ils ont toujours leur identité civile qu'ils avaient avant le service. Et cette identité peut même se développer. Par exemple, le militaire qui rentre chez lui en permission se dépouille de son uniforme, endosse l'uniforme d'un coach et anime une partie de hockey. Le lendemain, il remet son uniforme et son identité militaire prédomine de nouveau afin de lui permettre de fonctionner dans cette culture militaire. Donc, nous basculons d'une identité à l'autre. Dans la transition à la vie après le service, cette identité est remise en question. Le militaire ne sait plus exactement qui il est. Parfois, il a une identité militaire très bien formée,
par exemple, un professionnel de la santé qui travaille dans le même hôpital, simplement après avoir retiré son uniforme. D'autres subissent une forte perturbation de leur identité, mais tous devront acquérir une identité après le service. Ce n'est pas qu'ils deviennent civils, mais ils apprennent à se débrouiller dans une culture civile. Et puis, la transition peut devenir très difficile. Si le vétéran acquit une douleur chronique, c'est encore plus difficile. Il va d'une personne qui était en excellente condition physique et devient une personne qui souffre de douleurs chroniques. Donc, il y a une perte d'identité à cet égard. Nous sommes des créatures très sociales. J'étais soldat, maintenant je suis ancien combattant qui souffre d'une douleur chronique. Il faut prendre garde aux stéréotypes toxiques. Les stéréotypes, ce sont des raccourcis. Le problème, c'est que les stéréotypes toxiques sont très toxiques. Ils ne reflètent pas l'identité réelle de la personne, mais cette personne finit par être traitée conformément à cette étiquette. Mais les bons stéréotypes qui reflètent la réalité d'une personne sont positifs. Les vétérans et tout le monde doivent comprendre à quel point l'identité d'une personne est en crise pendant ces grandes transitions. Ça nous aide à comprendre comment la culture militaire et la douleur chronique changent les militaires, comment ces changements peuvent causer un stress dans la culture civile et à quel point l'identité militaire affecte l'état d'esprit. Et c'est de cela que Tom va parler. Tom, à vous. Merci, Jim. Alors, je voudrais à présent parler, bon, d'ici quelques minutes, parler de certains des problèmes que les vétérans doivent résoudre lorsqu'ils arrivent dans une clinique de douleur et certaines des stratégies qui peuvent aider. Certaines de ces informations proviennent d'une étude qualitative réalisée par le CEDC. Certaines autres informations proviennent d'un petit programme d'encadrement que nous avons réalisé dans notre clinique multidisciplinaire ici à Vancouver. Nous savons que la culture et l'identité peuvent être confondues. Quand je parle beaucoup de vétérans et certains non-vétérans, il y a des personnes qui s'identifient plus à la culture qu'à l'identité. Mais nous savons que la culture, c'est l'environnement dans lequel on acquiert une identité. L'entraînement de base est un bon exemple. Comme Jim l'a dit, quand quelqu'un s'enrôle, il apporte son identité civile, mais les normes et valeurs de la culture militaire, la mission d'abord, l'équipe d'abord, le régiment, se faire passer d'abord, passer outre, quoi que coûte. Cette culture commence lentement à changer d'identité. Au fil du temps, dans les forces armées, l'identité commence à changer. Cela peut se faire très lentement et de nombreux vétérans ne sont pas conscients du changement qui est intervenu chez eux. Beaucoup de vétérans avec lesquels nous travaillons ne se rendent pas compte qu'ils ont changé. Ils pensent que c'est l'univers civil qui a changé. Si quelqu'un, par exemple, n'est pas en mesure de surmonter un problème, on pourra lui dire « mais vous êtes un civil, vous êtes faible ». Cela renforce le fait que le monde civil est différent. Mais c'est nous qui avons changé. Des vétérans qui sont dans un nouveau milieu de travail disent « bon, les civils sont toujours en retard, ils ne peuvent pas s'organiser ». Ce sont des choses qu'on se disait quand nous étions militaires, afin de pouvoir travailler correctement dans cet environnement. Donc,
pour encadrer les vétérans, il faut d'abord leur faire comprendre qu'ils ont changé. Beaucoup de gens, moi-même compris, qui quittent le service, avant de quitter le service, nous pouvons leur dire, bon, ça va être différent quand vous ressortirez, ça doit être une, il y aura une période de transition. Ils peuvent le comprendre, mais pas pleinement. Un bon ami à moi, qui a vécu ce processus, a trouvé un bon emploi dans une firme d'ingénierie, m'a dit, quand je l'ai rencontré au gym, plusieurs mois après sa sortie, m'a dit, Tom, je pensais que que ça serait simplement une nouvelle mission, mais il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas ce qui était différent, mais il savait qu'il y avait quelque chose de différent. C'est important de comprendre cela. Alors, que pouvons-nous faire pour aider les vétérans qui souffrent de douleurs chroniques quand ils arrivent à la clinique? Il y a une chose qui est ressortie de l'étude qualitative et de nos consultations auprès de vétérans, c'est que les vétérans constatent qu'on ne les comprend pas, on ne comprend pas leur culture. Donc, ça serait peut-être utile de sensibiliser le personnel clinique à la culture militaire et à l'identité des militaires. Parce qu'il y a une chose qu'on apprend dans les forces armées militaires, c'est qu'on ne divulgue pas toutes les informations médicales parce que ça peut affecter notre carrière. Certains vétérans ne comprennent pas pleinement les politiques d'affaires des anciens combattants, les procédures, estiment que s'ils divulguent des informations, ça pourrait affecter leurs prestations d'affaires des anciens combattants. Donc, comprendre cela, comprendre que ça fait partie de notre culture, et puis aussi le fait que nous refusons de reconnaître la douleur, nous passons outre, cela peut aider le personnel clinique à mieux comprendre les vétérans. Le recours à un coach qualifié peut aider les vétérans à s'intégrer dans une clinique de douleur. Ça, c'est également utile. Nous avons fait un essai, il y avait un coach et un médecin qui nous a permis de combler cet écart. Imaginez un vétéran qui essaye de s'ajuster au monde de civil, qui vient d'une culture directive où on lui disait quoi faire, et puis qui s'intègre dans la vie civile, une vie libre. Il souffre de douleurs chroniques, peut-être de stress post-traumatique, il arrive dans une clinique très achalandée, il ne comprend pas ce qui se passe. Ça peut être... il peut se sentir submergé. Donc, en adoptant cette approche pour faire le pont entre les deux cultures, sensibiliser le vétéran sur les programmes de douleur, ce qui va se produire, comment les choses vont évoluer, pour aider à réduire cette anxiété et pour aider à développer ses relations. Les vétérans peuvent, achever avec succès un programme de gestion de la douleur, mais qu'est-ce qui se passe quand ils repartent après quelques mois? À cause de leurs problèmes d'identité, de culture, peut-être éprouveront-ils des difficultés à gérer leur douleur chronique. On a des cas de vétérans qui ont assisté au jeu Invictus, c'était bien, mais de retour à la maison, ils s'effondrent parce qu'ils ont toujours des problèmes d'identité. Donc c'est bien d'avoir un suivi après que la personne a achevé le programme de gestion de la douleur. Ensuite, la sensibilisation des patients au niveau de l'aspect biopsychosocial de la douleur chronique. Donc, quelqu'un qui éprouve des douleurs chroniques, quelqu'un qui était en bonne condition physique, qui avait une mission, quelqu'un qui était un athlète, et maintenant, ce qui est aux prises avec cette douleur chronique. Mais contrairement aux autres patients, qui souffrent de douleurs, il y a également une identité, une culture. Donc, il est important de sensibiliser les vétérans, de les renseigner sur l'aspect biopsychosocial de la douleur chronique. Il faut tenir compte des différences entre les cultures et les identités civiles et militaires. Nous savons qu'il y a une différence entre la culture militaire et la culture civile, mais il y a peut-être des recoupements. Par exemple, si on regarde les services d'urgence, ou les services paramilitaires. Il y a des différences, mais il y a des ressemblances. Par exemple, dans les services paramilitaires, les services d'urgence, il y a un droit de refus limité. On peut se faire passer d'abord et faire passer le patient après. Pour les militaires, il faut se faire passer en dernier, il n'y a pas de droit de refus. Donc l'état d'esprit est très différent. Les militaires, ils passent outre, malgré la douleur, la mission doit être réalisée. En outre, la culture militaire est très directive. Il,
les militaires sont très, très enferrés dans l'identité militaire. Donc, un soutien des pairs structuré peut aider. Un soutien des pairs qui doit être structuré selon nos études qualitatives. Les pairs sont des personnes qui ont dû vivre leur propre changement d'identité et comprendre la différence entre la culture militaire et civile et les changements que l'on vit dans la transition pour aider quelqu'un. Ce lien avec un pair est important, mais également l'importance de sensibiliser le vétéran pour qu'il puisse aller de l'avant au niveau de leurs défis, des défis qu'il faut comprendre. Et c'est là où il s'agit de mettre en œuvre un plan d'action de la transition qu'un vétéran peut porter une fois qu'il quitte le programme, et qui prévoit donc l'équipe avec laquelle il va travailler, ainsi que les buts et les objectifs qu'il se donne pour la transition. Donc voici quelques-uns seulement des éléments qui sont ressortis de nos études. Jim et moi-même serons heureux de répondre à vos questions. J'ai été passionné par la question de l'identité lorsque j'ai entendu cette présentation. Je dois dire que j'ai éprouvé moi-même ce changement d'identité, mais je ne comprenais pas son impact sur la douleur chronique et je ne me suis pas non plus rendu compte que je vivais ce changement. Nous avons demandé à notre public de nous envoyer des questions à l'avance et je vais demander au conférencier d'y répondre d'ici quelques minutes. Première question, quels sont les défis qu'un vétéran pourrait devoir relever au niveau de son changement d'identité pendant la transition à la vie civile? Bon, je peux proposer quelques questions issues de mes recherches. Le sentiment d'être stressé sans savoir pourquoi, si l'identité militaire se révèle dans un milieu civil, le vétéran peut se sentir stressé, privé de son identité. Qu'en pensez-vous, Tom? Oui, tout à fait, Jim. Certains des vétérans auxquels nous avons parlé, bon, ça dépend de leur qualification et de leur formation. C'est presque comme une tornade a dévasté votre ferme et vous vous trouvez dans un champ vide à devoir rebâtir votre vie. Si on ajoute la douleur chronique, cela accroît encore la complexité. Songez par exemple au réseau, aux connexions professionnelles. Une fois que vous sortez, vous recommencez à zéro. Si vous accédez à un poste civil, vous avez des collègues civils. Votre collègue civil a eu 20 ans d'expérience dans ce poste et vous commencez à zéro. Donc voilà quelques-uns des défis qui peuvent avoir un impact sur l'identité, puisque nous vivons un changement qui peut donner l'impression d'être submergé. Donc, lorsqu'une personne réalise une transition à la vie civile, ça prend combien longtemps pour que leur identité rattrape la transition? Chaque vétéran est différent. Il n'y en a pas deux qui, dans la transition est identique. Certains quittent la vie militaire avec une identité civile préformée. Par exemple, les professionnels de la santé qui restent dans le même hôpital, la même clinique, mais se dépouillent leur uniforme. Dans d'autres cas, il y a des vétérans qui se sentent mal à l'aise, pas à leur place, toute leur vie durant. La plupart des cas sont entre les deux. Il faut avoir le temps de s'adapter pendant que l'on vit une transition. Je crois que c'est ce qui est important. Les transitions ne sont pas identiques. Il y a des points communs que nous avons évoqués. Si on considère l'identité aussi, par comparaison, disons quelqu'un qui travaille de 9 à 5 ou quelqu'un qui est dans l'infanterie, l'intensité sera différente. Je crois que la clé que nous avons évoquée, c'est qu'un vétéran doit comprendre qu'il a changé. Ceci aide peut-être au niveau de l'identité, la durée de cette crise d'identité. Il faut comprendre que nous avons changé, c'est important. Donc je crois que c'est une étape importante. Oui, en fait, c'est à cela que je faisais allusion quand j'ai entendu cette présentation il y a un an seulement. J'ai été vraiment étonné, parce que je ne me rendais pas compte, je ne m'étais jamais rendu compte que nous vivons tous cela, comme vous l'avez dit, à des niveaux différents. Bon, pour revenir à la question de la douleur chronique, comment cela affecte-t-il le changement d'identité d'une personne qui est transférée à la vie civile?
une question complexe. On n'a pas encore trouvé une réponse complète. Beaucoup de gens y travaillent depuis des années. L'acquisition d'une douleur chronique peut remettre en question le sentiment de soi, l'intégration dans la société, l'identité personnelle et sociale avant le départ de la vie militaire et puis après la transition à la vie civile, laquelle devient encore plus complexe. Il y a des données issues d'études d'imagerie cérébrale selon lesquelles les parties du cerveau qui maintiennent le sentiment de l'identité peuvent être changées dans certaines affections psychiatriques. Maintenant, on cherche à voir s'il y a des changements semblables dans des situations de douleur chronique. Oui, vous avez raison. Certaines des recherches auxquelles je participe à l'heure actuelle visent à trouver un équilibre et également à parvenir à une meilleure compréhension. L'état d'esprit est important. Et quand on se demande ce qui est spécifique aux vétérans, parlons de l'état d'esprit, la mission d'abord, l'équipe, le régiment, et puis soi-même en dernier. Donc, comment est-ce que cela affecte ma propre douleur? Est-ce que je dois passer outre, quoi qu'il en coûte, ou bien et minimiser ce que j'éprouve, et quel est l'impact sur la famille, sur l'approche du traitement? C'est là où on constate que la sensibilisation des vétérans à la nature de la douleur biopsychosociale, ce qui peut leur permettre de mieux comprendre et de progresser. Si quelqu'un éprouve des difficultés à la sortie d'un programme de gestion de la douleur, est toujours aux prises avec des défis d'identité et ils disent « Moi, je reste bloqué sur le canapé, je ne peux pas aller de l'avant. » Comment est-ce que cela affecte leur douleur, leur programme de traitement, sommeil, alimentation? Donc, il est important de déterminer donc l'impact de l'état d'esprit sur le traitement dans son ensemble. Bon, pour en revenir au tout début, à ce qui se produit quand une personne s'enrôle, est-ce que vous pensez qu'une personne perd son sens de soi, de soi-même, lorsqu'il devient militaire et que ça a un impact au moment du départ de la vie militaire? Je n'ai pas beaucoup réfléchi à ceci, mais pour moi, le sentiment de soi est plus profond que l'identité personnelle ou sociale. Mais ces trois éléments sont apparentés. Selon mes lectures, la formation des recrues vise à amener celle-ci à s'identifier personnellement et socialement à la vie militaire, en adopter les normes pour pouvoir bien fonctionner. Mais il faut avoir un sentiment de soi pour fonctionner. Je ne crois pas qu'il s'agit de perdre son sentiment de soi. En fait, plutôt que de parler d'abnégation, il s'agirait d'une valeur adoptée de faire passer les autres avant soi. Je suis d'accord avec Jim. Quand je remonte à ma propre période dans les forces. On est placé dans cet environnement, dans cette culture. Bon, manque de sommeil, toutes ces techniques qu'on utilise pour changer vos points de vue, mais vous êtes toujours la même personne à bien des égards. Bon, quand je songe, parfois on entend beaucoup parler de certains de nos militaires qui quittent la vie militaire puis qui s'enroulent de nouveau quelques années plus tard parce qu'il veut renouer avec son identité. Une dernière question. Donc, comment faisons-nous en sorte, quelles sont les étapes pour faire en sorte que nos vétérans connaissent l'importance de ce changement d'identité et de ce qu'ils vivent et sachent que c'est normal ce qu'ils vivent? Ça, c'est une question sur laquelle tant et moi et nos collègues travaillent pour tâcher de traduire ce savoir en quelque chose qui est concret. C'est pour ça que j'aime beaucoup travailler avec Tom, parce qu'il apporte son vécu qui illustre ce dont j'ai entendu parler dans la littérature. Mais c'est le défi. Il faut trouver des façons de faire en sorte que cela soit signifiant, utile pour les vétérans qui vivent ces transitions. Je suis d'accord. Pouvoir comprendre les recherches et travailler avec les vétérans. Ça permet de faire le pont entre la recherche et la vie pratique. C'est là où le soutien par les pairs est important. Sous forme de coach, comme j'ai dit dans ma présentation, un coach a dû vivre ce changement, doit avoir vécu ce changement lui-même, parce que c'est la rétroaction qu'on a. Certains vétérans disent « le programme de soutien par les pairs, ça fonctionne bien, mais les pairs avec lesquels ils travaillent
sont toujours militaires ou sont toujours dans l'état d'esprit militaire, étaient toujours en transition. Donc, la rétroaction, c'était je ne pouvais pas aller de l'avant. Alors, je crois que c'est important. La sensibilisation, c'est important. Nous vivons, plutôt nous informons, nous renseignons les vétérans pour leur montrer qu'ils ont changé, les amener à comprendre cela. Nous leur proposons les résultats des recherches sur lesquelles Jim et son équipe travaillent. Alors donc, cela va permettre d'aller de l'avant. Et donc, Michel, vous savez aussi bien que moi qu'on peut avoir quitté le service pendant des années et c'est toujours là. Mais il faut reconnaître cela et travailler avec. Oui, garder le meilleur et renoncer au reste. Merci beaucoup. Pour cette excellente présentation et merci à tous nos participants pour vos questions. Je vous rappelle que les présentations seront disponibles sur le site web du Centre d'excellence et que vous pouvez nous contacter pour toute question que vous auriez maintenant. Nous allons maintenant continuer avec notre deuxième présentation. We'll now carry on with our second presentation. Nous allons maintenant progresser de la notion d'identité à celle de la réintégration. Nos invités suivants sont M. Tom Carter, la Dr. Elizabeth Saxton, Mme Erin Weldon et le vétéran Doug Zwicker. Tom Carter est directeur national d'excellence clinique. Il est titulaire d'une maîtrise en sciences à l'Université de Toronto dans le département des sciences de la réadaptation. Il s'intéresse à la gestion interdisciplinaire des blessures dans le domaine des soins de santé. Il est professeur adjoint dans l'école de physiothérapie de la faculté de médecine de l'Université de Toronto. Il a 27 ans d'expérience dans divers milieux de réadaptation au Canada, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis. La Dr. Elizabeth Saxton est directrice nationale des services de santé mentale de CBI Health. Elle est titulaire d'un diplôme en psychologie clinique en 2005 et après une certaine période aux côtés des enfants et des ados, l'adolescent au niveau de l'évaluation et du traitement, elle a découvert sa passion pour la réhabilitation interdisciplinaire. Elle est entrée dans Orion Health en 2009, qui a été repris par CBI Health en 2015. Elle fait partie toujours de l'équipe de traitement, mais de plus en plus, elle s'est intéressée à l'évaluation, à l'élaboration de programmes et à l'évaluation des programmes, tout en encourageant l'innovation dans le traitement. Elle est actuellement présidente élue de la Pain Society of Alberta, société à but non lucratif qui favorise la sensibilisation des praticiens en santé qui traitent des personnes vivant avec la douleur chronique. Erin Weldon est ergothérapeute qui collabore avec des vétérans dans le programme de gestion de la douleur dans la région de l'Atlantique, diplômée de l'Université d'Ottawa et de l'Université de Toronto. Elle est titulaire d'une maîtrise des sciences en ergothérapie. Erin Weldon est athlète accomplie et a remporté de nombreuses médailles en natation au niveau provincial. Elle est actuellement directrice régionale de CBI Health au Nouveau-Brunswick. Enfin, Doug Zwicker est vétéran. Il fut technicien structurel, a servi dans l'aviation royale canadienne, a été blessé en 1997 pendant son déploiement en Haïti. Il habite à Mahone Bay en Nouvelle-Écosse après avoir suivi plusieurs programme de gestion de la douleur sans succès pendant 20 ans. Il a enfin pu obtenir l'aide dont il avait besoin dans le programme CBI. Je suis sûr que son témoignage vous convaincra. Nos quatre invités sont des nôtres aujourd'hui pour évoquer les liens entre les vétérans et leurs familles. Merci, mon général, pour cette aimable présentation. Nous sommes très heureux de pouvoir évoquer aujourd'hui un élément important du développement des identités et du soutien des vétérans dans leur communauté dans le cadre de notre programme de gestion de la douleur. Chez CBI Health, depuis plus de 45 ans, nous avons commencé à titre de groupe de formation. Nous sommes devenus maintenant un fournisseur de premier plan de services communautaires partout au Canada. Nous sommes très heureux que 6 de nos cliniques en Colombie-Britannique, en Alberta, au Nouveau-Brunswick font partie du Centre d'excellence en douleur chronique. C'est là où nous commençons à aider ceux qui ont servi notre pays à s'intégrer dans leur communauté. CBI Health offre des services à plus de 300 000
personnes chaque année. Dans le cadre de nos services de santé à domicile, notre vie communautaire, service de vie communautaire spécialisé, notre groupe de cliniques de réadaptation. Aujourd'hui, nous voulons évoquer un groupe de vétérans auxquels nous pouvons fournir motivation et soutien pour les aider à réintégrer leur vie. Nous recevons environ 110 personnes chaque année dans le cadre de nos programmes de gestion de la douleur. Et aujourd'hui, nous voudrions vous expliquer comment nous utilisons ce programme pour aider chacun à s'intégrer dans la communauté. Alors donc, je vais donner la parole à notre directrice nationale de la santé mentale, la docteure Sexton, et à notre directrice régionale, Erin Weldon. Merci, Tom. Alors donc, essentiellement, quand nous avons mis au point le programme de gestion de la douleur, il y a beaucoup de services que des vétérans ont pu essayer. Quand nous adoptons une approche basée sur les faits probants en réadaptation, il s'agit de mettre en place une approche interdisciplinaire. Nous avons donc créé une équipe interdisciplinaire, mis au point un programme axé sur les considérations bio, psychosociales et spirituelles. Alors donc, cette approche de gestion de la douleur vise à rejoindre les valeurs de l'individu, pas nécessairement les obstacles, ce qu'ils ne peuvent pas faire, mais commencer à élaborer des objectifs basés sur ce qui est le plus important pour la personne dans sa vie. En le reconnaissant, nous pouvons développer ces objectifs, parvenir à un engagement à l'action et à une sensibilisation afin que la personne puisse reconnaître les améliorations qu'elle accomplit. Il y a l'autorégulation, la relaxation et le lien esprit-corps en insistant sur l'activation comportementale et le volet de réadaptation. Sachant que le patient ne doit pas réussir uniquement en clinique, mais dans la vraie vie, il s'agit d'intégrer la gestion des médicaments afin d'assurer que le patient peut participer intensivement à un programme de réadaptation. S'agissant de tous les services que nous fournissons, cela ne se fera pas nécessairement dans des séances individuelles d'une heure, une fois par semaine. Il s'agit plutôt d'un programme intensif. Le programme dure 10 semaines, puisque tous les services sont intégrés dans un endroit. Il y a davantage d'heures chaque semaine. Cela peut être difficile au début, mais cela a un objectif. Il s'agit d'accroître la tolérance globale et de remettre en question les idées reçues quant au niveau de fonctionnement. S'agissant de l'équipe, il s'agit d'une équipe constituée autour du vétéran. Nous voulons que nos vétérans sentent qu'ils font partie de l'équipe. Nous ne sommes pas la personne que nous traitons, nous sommes la personne avec laquelle nous collaborons. Nous avons des médecins, des psychologues, des conseillers cliniques, des psychothérapeutes, des kinésiologues, des ergothérapeutes qui travaillent avec le patient, avec le vétéran. De temps à autre, nous pouvons faire intervenir un pharmacien au besoin. Nous insistons, lorsque nous créons ces objectifs, nous voulons nous concentrer sur les obstacles au rétablissement, les activités de la vie quotidienne, la participation à la communauté. Il ne s'agit pas simplement, encore une fois, de ce qui se passe dans la clinique. Nous voulons la transition à la participation communautaire, les rôles familiaux, les activités instrumentales de la vie quotidienne, c'est-à-dire ce qu'ils doivent faire pour fonctionner en tant que famille. Alors, aller au supermarché, aller magasiner, emmener les enfants à l'école et les en ramener. Et puis ensuite, les rôles professionnels ou non professionnels, bénévolat, emploi, nous voulons répondre à ces besoins-là également. Ce qui nous donne la capacité de devenir plus précis dans l'établissement des objectifs et l'évolution du programme. Alors, aujourd'hui, nous allons évoquer le parcours de Doug, qui va prendre la parole dans un instant. Nous sommes honorés par sa présence. Nous voulons nous concentrer sur son parcours. À l'origine, Doug avait reçu des traitements dans le passé. Il éprouvait toujours des difficultés.
Il a donc demandé à son gestionnaire de cas ce qu'il pourrait faire d'autre, ce qui pourrait lui être fourni à titre de douleur pour l'aider à gérer sa douleur. Son gestionnaire de cas a constaté qu'il existe donc un programme à IFAX et a entamé le processus d'aiguillage. Nous avons reçu l'information qui nous est fournie par les gestionnaires de cas d'ACC et nous entamons donc l'évaluation. C'est une évaluation assez prolongée, mais encore une fois, il s'agit d'une évaluation interdisciplinaire qui porte sur, donc, qui met en jeu plusieurs disciplines et plusieurs aspects. Le cas échéant, nous formulons des recommandations. Dans le cas de Doug, la recommandation était que nous passions à un programme spécialement adapté. Donc, quand quelqu'un vient nous voir, nous commençons à adapter le programme après l'évaluation interdisciplinaire en étudiant les obstacles spécifiques qui s'opposent à la personne et en commençant à puiser dans les valeurs que la personne n'est peut-être pas en mesure d'intégrer compte tenu de son niveau actuel de fonctionnement. Ça fait beaucoup d'informations à présenter dans un laps de temps court, mais nous cherchons à commencer par la base et à superposer les interventions. La base, c'est l'éducation. La recherche souligne le fait que l'éducation est un élément clé dans la gestion de la douleur avec les interventions spécifiques à chaque discipline. Alors, il y a des discussions individuelles avec les psychologues, ergothérapeutes, kinésiologues, physiothérapeutes. Voilà donc le volet traitement. En même temps, nous voulons que les personnes commencent à s'engager davantage, à participer. Donc, c'est un traitement auquel on participe, pas que l'on subit. Il y a également une mobilisation au niveau de l'équipe avec les autres professionnels, mais il y a des volets de groupe. Donc, il y a des séances de formation de régulation, par exemple. Ce sont des éléments de groupe collectif. Il y a donc un niveau d'engagement avec les autres vétérans, ainsi que certaines personnes qui sont ou non vétérans. Et puis, l'élément très, très important, c'est de reconnaître que, bon, c'est bien de pouvoir le faire dans la clinique, mais on n'a pas besoin de vous permettre de faire cela pendant les semaines du programme. Non, ce qu'on veut, c'est que cela soit pérennisé, pas pour quelques semaines, mais pour l'avenir. Pour ce faire, nous devons relier cela à la communauté. Je vais laisser Erin reprendre la parole pour évoquer ce volet. Merci. Donc, c'est un élément très, très excitant dont nous voulons parler sur les activités d'intégration de la communauté dans notre programme des vétérans chez CBI. Activité d'intégration de la communauté, c'est un événement de groupe qui met en jeu différents clients qui participent à un programme de gestion de la douleur. Ce sera animé par un ergothérapeute. Le groupe va identifier une activité dans la communauté sur laquelle il souhaitait travailler, ce qui aidera la personne à développer son indépendance et à identifier donc les éléments qui ont été mis au point au début de leur programme. Donc, l'ergothérapeute va faciliter l'élimination des obstacles d'accès aux activités pour les vétérans. Nous avons travaillé, par exemple, des classes de cuisine, conditionnement physique ou encore différentes opportunités de thérapie ou de loisirs. Nous avons vu que les événements communautaires, fonctionnalités. Alors, maintenant, nous allons faire intervenir notre star, Doug, pour nous donner davantage de détails sur son propre parcours. Doug, bienvenue. Vous pouvez nous dire d'abord quelles difficultés vous éprouviez avant d'entrer dans le programme. Avant d'entrer dans le programme, j'éprouvais des difficultés pendant assez longtemps. Ma mobilité diminuait et avec cette baisse de la mobilité, ma famille, mes amis, dans tout cet aspect, mon sommeil, mes habitudes alimentaires, tout cela allait de pair. Donc, avec la clinique de douleur,
c'est extraordinaire de voir à quel point j'ai progressé. Alors, donc, parlons spécifiquement du programme. À quoi ça ressemblait, donc, les expériences à la clinique et l'intégration? Bon, quand la première évaluation a été réalisée avec le médecin, donc, on m'a intégré dans le programme ACBI Halifax. L'une des premières choses, c'est que on m'a demandé ce que je voulais retirer du programme, quels étaient mes objectifs. Bon, j'avais subi plusieurs programmes de psychothérapie dans le passé, mais la question ne m'avait jamais été posée. C'est la première fois qu'on me demandait ce que je voulais ressortir, retenir du programme. C'est la toute première fois. Et en fait, je me sentais comme si j'étais un membre de l'équipe, pas un client. L'équipe a littéralement conjugué ses efforts. Ils m'ont demandé ce que je voulais. Alors, il y a certains aspects qui vous ont vraiment interpellé au niveau de la programmation avec laquelle vous avez participé en clinique. J'ai appris à dire non. Moi, je suis le genre de personne, si quelqu'un me demande de faire quelque chose, quelle que soit ma gestion de douleur, moi, je suis là, je réponds présent. Et je ne dis pas que j'éprouve des difficultés. Et les gens comptent sur moi. Alors, de dire maintenant, j'ai dû apprendre à dire non. C'était une de mes plus grosses difficultés. Et ça va sans doute continuer. Je vais sans doute continuer à avoir des difficultés. Mais il y a certaines choses que j'améliore maintenant physiquement. Et j'apprends surtout à dire, je suis désolé, mais non, je dois décliner. Pour moi, ça a été difficile d'aborder cet aspect. Moi qui ai toujours été très, très actif, très dynamique, et maintenant de savoir m'arrêter. Ma fille, bon, récemment, j'ai fait une petite chute et je me suis fait mal à l'épaule. Elle a dit, papa, tu ne peux pas rester à la maison, tu ne vas pas guérir. Elle a dit, viens nous rendre visite. Alors, je suis sorti de ma zone de confort et j'ai pris l'avion pour la première fois en 12 ans. Je suis allé à Edmonton pour voir ma fille et ma petite fille. Et maintenant, j'ai hâte d'y retourner. Alors, vous avez précisé que vous vous améliorez au niveau fonctionnel. Comment est-ce que les choses sont différentes de ce qu'elles étaient avant le programme? Bon, j'habite sur une colline. Donc, avant le programme, je prenais le volant de ma camionnette pour descendre ma colline. Maintenant, je peux gravir et descendre cette colline sans difficulté et sans tomber. Alors, c'est extrêmement important pour moi. Je continue à suivre le programme d'exercice, à travailler sur différents aspects, comment dire non aux gens. Ça, c'est... bon, maintenant, c'est, donc il y a beaucoup d'améliorations. Avec la clinique de, sans la clinique de CBI, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Avant d'entrer dans le programme, là, je ne savais plus vers quoi me tourner. Il semble que vous avez pu rétablir donc un lien physiquement avec votre famille dans l'ouest du Canada depuis longtemps et avec votre communauté près de chez vous. J'ai quelques amis vétérans. On va prendre un café
avant d'arriver, de venir ici ce matin, un ami s'est arrêté. Son père avait été décédé pendant la fin de semaine et il a dit « Doug, il faut aller le voir ». C'était quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années. J'hésitais un petit peu, mais je me suis dit « Bon, ça, il faut que je fasse. Normalement, je n'irai pas. » Bon, je trouverai une excuse. Mais là, je me suis préparé. Nous sommes descendus. C'était... Je pense que ça a été très positif que je le fasse. Et ce sont des gens qui ont très apprécié le fait que je me présente. Donc, je peux faire des choses, plus de choses. J'apprécie beaucoup que vous ayez partagé votre témoignage. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez partager? Je voudrais remercier le personnel de la clinique CBI. Sans leur aide, au cours des 3-4 derniers mois, je ne sais pas où je serais. Je commençais à me rapprocher d'un état où je ne voudrais rien, je ne voudrais aucun déplacement. Je suis extrêmement satisfait de la clinique et du personnel de CBI Health. Ils sont excellents. En fait, j'ai parlé du programme à plusieurs vétérans et ils remarquent la différence pour moi. Et ils me demandent tous, bon, comment est-ce qu'on peut contacter ce programme? Donc, si votre gestionnaire de cas n'est pas au courant, contactez mon gestionnaire de cas et nous allons aller de l'avant. Mais ce que nous constatons à l'heure actuelle dans la communauté des vétérans, c'est que les gens ne savent pas quels services sont disponibles. Beaucoup de vétérans chez CBI me demandent quelle est leur couverture de Blue Cross. Moi, je ne savais pas ce qui était couvert. Je ne me rendais pas compte jusqu'à récemment qu'avec ma couverture Blue Cross, qu'il y avait 20 rendez-vous de physiothérapie que j'aurais pu avoir et 20 ces séances de massothérapie. Je ne le savais pas. 21 ans plus tard. Et je le découvre maintenant. Bon, je suis sensible au fait que vous ayez partagé votre récit avec nous, mais avec d'autres vétérans. En partageant votre récit, vous dites aux gens ce que vous pouvez faire, alors qu'autrefois, vous étiez surtout bloqué sur ce que vous ne pouviez pas faire. Vous êtes le fait que vous soyez sorti de votre zone de confort, y compris vivre ici, venir ici pour partager cette intervention. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé votre récit. J'espère que vous continuerez de le raconter aux autres. Merci beaucoup. Merci, Doug. Alors, pour en revenir donc à une intervention véritablement utile dans la vie de ces vétérans, tandis que nous abordons notre programme de gestion de la douleur, nous suivons l'amélioration dans leur établissement, les améliorations dans la capacité d'accomplir les activités de la vie quotidienne, de participer à la communauté, d'accomplir les rôles familiaux, d'accomplir les activités instrumentales de la vie quotidienne et de remplir des rôles professionnels et non professionnels. Comme Doug nous l'a dit, il a pu améliorer significativement chacun de ces domaines. Notre programme de gestion de la douleur est individualisé en fonction des besoins de chaque vétéran. Le nombre de jours de traitement varie entre 18 à 50 jours de traitement. Cela dépend de la complexité des blessures et des vétérans. Dans le cas de Doug, il a pu achever son programme en 43 visites. Voici le nombre moyen de visites est de 31 environ, ce représente 124 heures d'intervention, ce qui est conforme à nos pratiques exemplaires dont on a parlé tout à l'heure dans la présentation. Alors, je donne la parole à Lise pour évoquer certains autres facteurs. Donc, quand nous envisageons les objectifs, beaucoup de vétérans veulent ne plus être abrités, ils veulent s'engager dans la communauté. Ça peut inclure les proches, ça peut inclure la cohorte des vétérans, ça peut inclure différents aspects de leur communauté sociale et spirituelle. 73% ont cet objectif, mais il y en a 27% qui ont aussi pour objectif de retourner au travail, soit
entamer une nouvelle profession soit un travail qu'ils n'ont pas pu continuer, un engagement bénévole. Donc, ce retour au travail fait partie du programme. C'est merveilleux d'entendre ces récits et c'est une excellente façon de partager ce qui se passe dans nos programmes. Et nous voulons également pouvoir démontrer que nous pouvons travailler à une plus grande échelle. Donc, nous avons des analyses pré et post. Le bleu, c'est l'admission et le violet, c'est le congé. Avec la gestion de la douleur, il ne s'agit pas de gravité de la douleur. Le but du programme, ce n'est pas de changer l'expérience de la douleur ou de faire disparaître la douleur. Il s'agit de changer votre relation avec cette douleur et d'identifier pour vous-même ce que vous voulez avoir dans votre vie et comment travailler avec la douleur comme partenaire pour parvenir à ces objectifs. Donc, plutôt que de dire « nous allons réduire la sévérité de la douleur », nous examinons donc la sévérité de l'interférence, la pensée catastrophique sur la douleur, l'ingérence de la douleur, également la dépression, l'anxiété. Globalement, nous voulons faire en sorte que les personnes soient plus résilientes, ont la capacité de se relever, sachant qu'avec la douleur chronique, il y aura des hauts et des bas, la capacité d'avoir une mauvaise journée et de se relever après. Donc, au niveau de nos résultats, nous voyons des changements significativement cliniques dans la hausse de la résilience et dans les réductions des deux autres éléments, ingérence de la douleur, pensée catastrophique, dépression et anxiété, ce qui est vraiment ce que nous voulons réaliser. Donc, bien souvent, les personnes viennent à la clinique voulant se sentir mieux, se débarrasser de leur douleur. Ce n'est pas nécessairement ce que nous ciblons. Nous ne voulons pas que les gens se sentent mieux, tout simplement. Nous voulons que dans un sens très, très concret, mesurable, observable, nous voulons qu'ils soient mieux. Et nous voulons également qu'ils constatent que c'est grâce à leur participation qu'ils y sont parvenus, qu'ils ont la capacité d'apporter ces changements, de s'engager à l'action qui leur permettra de progresser dans ce qui est précieux dans leur vie et de s'améliorer par rapport à ce qu'ils étaient à l'arrivée. Merci beaucoup d'avoir partagé votre temps aujourd'hui. C'était une présentation très impressionnante. J'apprécie le fait que vous utilisez des traitements basés sur les données probantes et que le vétéran est au cœur du programme. Chaque programme étant bâti autour du vétéran permet d'assurer que le vétéran lui-même fait partie de l'équipe. C'est l'approche parfaite pour des gens qui ont toujours travaillé en équipe pendant leur carrière militaire. Ça a beaucoup de bon sens. Nous allons à présent passer aux questions. Alors, je vais commencer par vous, Doug, tout d'abord. Quel a été le plus gros défi que vous avez dû surmonter dans votre programme de douleur? Le plus gros défi, c'était la mobilité. J'ai eu plusieurs chutes. Je me suis blessé le dos 3 fois. Cette année, j'ai été hospitalisé plusieurs fois, mais j'ai pu reconquérir ma mobilité. Oui, j'ai récemment fait une chute, mais c'était ma faute. C'est pas la faute. Vraiment, le plus important pour moi, c'est de me permettre de me déplacer, d'être plus mobile sans craindre de tomber et de me faire mal presque toute la journée. Normalement, j'ai mes instructions, mes médicales, au cas où quelque chose m'arrivait. Mais si vous comparez ça à la façon dont c'était avant votre programme chez CBI Health, c'est complètement différent. Oui, c'est tout à fait différent. C'est comme le jour et la nuit. J'ai acquis beaucoup, beaucoup de mobilité. Je me sens plus à l'aise. Je marche, je parcours de plus longues distances à pied. J'ai repris des forces. Chaque jour, j'en reprends. Je continue à faire un effort pour recouvrer un état normal. Bravo, Doug. Merci beaucoup. À présent, la question c'est des gestionnaires de cas. Écoutant les autres présentations, alors comment est-ce que les
gestionnaires de cas et les vétérans eux-mêmes peuvent apprendre l'existence du programme. Dans le cas des gestionnaires de cas, comment un gestionnaire de cas saurait-il quel niveau d'intervention, de quel niveau d'intervention le vétéran a besoin dans un programme de gestion de la douleur? Un élément clé, c'est d'écouter. Pas nécessairement qu'un vétéran va parler spécifiquement de la douleur, mais parler des obstacles. Si vous entendez le message que le vétéran a des difficultés au niveau de sa communauté, de ses relations, de l'accomplissement d'activités quotidiennes, quand vous entendez ces indicateurs, ça, ce sont les obstacles. Puis l'autre élément, bon, c'est pas nécessairement de savoir ce dont ils ont besoin, c'est pas nécessairement la responsabilité des gestionnaires de cas, il s'agit de savoir où trouver davantage d'informations. Il s'agit de réaliser le premier aiguillage pour évaluation et puis de permettre à l'équipe d'évaluer s'il faut un programme plus intensif ou s'il faut quelque chose qui soit davantage axé sur un service unique. L'évaluation permet de le déterminer. Moi, je vais ajouter que d'après les recherches, plusieurs études visent les personnes qui sont candidates au programme de gestion de la douleur, les personnes qui éprouvent un sentiment d'injustice à l'égard de la douleur, les changements d'activité quotidienne, l'isolement social, le rôle de la famille, de la communauté, troubles du sommeil, douleurs constantes. Mon conseil pour ceux qui écoutent, pour identifier les personnes appropriées, pensez à Doug. Doug a signalé tellement de ces facteurs. Il a dit qu'il devenait de plus en plus isolé, reclus, la mobilité était un problème. Ça a changé tous les aspects de sa vie. Sa douleur, et non plus lui, était en charge. Et ça, c'est une façon très, très simple d'identifier quelles sont les personnes à qui ce type de service convient. Bon, nous avons dépassé le temps qui était prévu de 2 minutes, mais je vais continuer pendant quelques instants, car il est important d'évoquer quelques éléments de plus. Merci tant pour ces observations. J'ai beaucoup appris dans votre présentation, notamment le fait que l'idée n'est pas de se débarrasser de la douleur, mais de changer la relation du vétéran à sa douleur. Et ça, je crois que c'est un élément très, très important. D'après le témoignage de Doug, nous avons vu que cela s'est produit. Erin, vous voulez ajouter quelque chose? Je crois que c'est un élément très important à souligner. Comme on l'a vu dans le témoignage de Doug, il nous a dit ce qu'il peut faire, des améliorations fonctionnelles. Il n'est pas limité à ce qu'il ne peut plus faire à cause de sa douleur. Et comme on l'a dit dans la présentation, l'intervention, l'engagement, nous avons commencé à appliquer toutes ces techniques en clinique et dans la communauté. Merci. Je sais que CBI Health traite également des civils. Est-ce que vous avez vu de nombreuses ressemblances ou différences entre les vétérans et les civils dans le programme de gestion de la douleur? La Dr. Sexton? Je crois qu'il y a beaucoup de points communs. Tom en a évoqué quelques-unes. Changement d'humeur, sommeil, ingérence de la douleur, intensité de la douleur. La réalité, c'est qu'il y a des différences, toutefois. Nous remarquons qu'il y a davantage, les points de douleur sont plus diffus chez les vétérans. Bien souvent, il y a de plus en plus d'affections mentales comorbides, dépression. Nous travaillons souvent avec des personnes qui gèrent au même instant des troubles de stress. Alors, il y a des différences importantes. Quant à la participation à la clinique, ce que je puis vous dire, c'est que nous remarquons souvent que la détermination des militaires, ils donnent 100%, ils sont engagés, ils sont déterminés, et parfois, Doug pourrait peut-être en parler, mais on est obligé de dire aux vétérans d'en faire un peu moins. Il faut parfois savoir garder un rythme. Et puis enfin, quant à la communauté, où il y a des interactions avec d'autres vétérans, l'interaction au niveau des contacts avec des membres non vétérans qui participent avec les programmes, je pense que c'est une bonne occasion d'établir une passerelle, ne pas s'entourer uniquement de vétérans, mais participer avec d'autres et en tirer une expérience partagée. Merci. Doug, voulez-vous ajouter quelque chose? Non, ça va, merci. Bon.
Moi, je vais poser une dernière question. Comment est-ce qu'on mesure le succès? Donc, un vétéran subit le programme de gestion de la douleur. Comment est-ce que vous mesurez le succès? Aaron. Bon, je peux évoquer les obstacles au rétablissement. Il y a un élément spécifique pour notre programme de gestion de la douleur d'ACC. Nous examinons les changements de fonctionnement dans tous les niveaux. Niveau d'indépendance dans les activités de la vie quotidienne, participation à la communauté, rôles familiaux et activités instrumentales et rôles professionnels. Cela nous aide à créer des éléments au milieu du programme pour déterminer les progrès interactifs dans ces cinq domaines ainsi que avec les objectifs. Alors, nous étudions le succès globalement, mais les mesures que nous prenons au niveau des pensées catastrophiques, l'ingérence de la douleur et l'humeur, nous utilisons ces éléments tout au long du programme pour démontrer les progrès au fur et à mesure qu'ils se produisent, mais également pour rester sur la bonne voie et pour nous dire, bon, est-ce que nous évoluons dans la bonne direction? Et sinon, le moment est venu de marquer une pause et de voir s'il y a une intervention différente que nous devons utiliser. Donc, c'est bien d'avoir les résultats, mais c'est également important d'utiliser ces éléments donc de redéfinition du traitement et du programme au fur et à mesure. Je voudrais juste ajouter cela dans une dimension un peu différente. Je crois qu'il y a beaucoup de mesures cliniques différentes qui sont associées avec des résultats positifs, ce qui constitue d'excellentes façons de mesurer la douleur. Mais la douleur est un problème multidimensionnel. Il n'existe pas d'indicateur unique du succès. Ce que les autres intervenants ont indiqué, c'est qu'il y a des instruments cliniques qui permettent de mesurer le succès, mais là où l'essentiel se produit, c'est lorsqu'il y a quelque chose qui est important, quelque chose qu'il est important pour un vétéran de pouvoir recommencer à faire dans sa vie. C'est ainsi que nous finissons par définir le succès. Ce sont ces objectifs axés sur le vétéran. Il ne s'agit pas simplement d'un aspect de l'existence, parce que ce problème affecte beaucoup d'aspects de la vie. Donc, il faut avoir un ou deux indicateurs du succès. Merci beaucoup. Bon, écoutez, merci à toute l'équipe pour cette présentation passionnante. Merci, Doug, d'encourager les vétérans à demander de l'aide parce que parfois, c'est personnellement qu'on passe le mot. Alors, voilà tout le temps dont nous disposons, mesdames et messieurs. Merci pour vos présentations, merci pour vos réponses, merci pour vos recherches qui montrent qu'il y a un espoir pour améliorer la vie des vétérans qui souffrent de douleurs chroniques et de leurs familles. Le Centre d'excellence sur la douleur chronique pour les vétérans canadiens va continuer de réaliser des recherches sur les meilleures façons de traiter la douleur chronique avec pour but de porter l'espoir à tous ceux qui souffrent et à leurs familles. Comme vous l'avez vu avec CBR Health, nous soulignons l'importance des services interdisciplinaires de gestion de la douleur chronique. Vous savez peut-être que le Centre crée actuellement un réseau de cliniques de la douleur au Canada et les six cliniques de CBI Health en font partie. Comme vous l'avez vu avec le témoignage de Doug Zwicker, nous encourageons le dialogue partagé entre les vétérans et ceux qui leur fournissent des services de gestion de la douleur. Les vétérans et leurs proches peuvent obtenir de l'aide partout au Canada et il y a des ressources disponibles. Alors, il y a de l'espoir. Je vous rappelle qu'un enregistrement de cette séance, de toutes nos séances, sera disponible sur notre site web et toute question que vous pourriez souhaiter poser peut également être posée sur notre site web. N'hésitez pas à nous contacter pour l'information qui vous intéresserait. Voici qui conclut notre série de webinaires pour l'automne. Donc, au nom du Centre d'excellence de la douleur chronique, merci pour votre présence.